vos prières. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Je voudrais, Seigneur, ce soir te dire merci pour ta sollicitude, merci pour ton soutien. Merci, Seigneur, pour toutes ces âmes que tu éclaires dans les nations, pour la vérité qui nous éclaire, qui nous illumine. Merci pour tout ce que tu feras demain. Et nous croyons, Seigneur, que tu agis et tu continueras à libérer ton peuple. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu de gloire. Amen. Voilà, mes amis, ce soir, nous allons partager sur un thème que beaucoup connaissent. Hein. On va partager sur la confusion, tout simplement, la confusion. Et on voit bien cette confusion qui s'installe dans le monde, mais pas seulement dans le monde, mais aussi dans la chrétienté actuelle. Depuis, bien sûr, des années, cette confusion, vous allez voir, est parfois, mes amis, suscitée, produite par Dieu lui-même, envoyée par Dieu lui-même. Et cette confusion, n'est-ce pas, crée beaucoup de chocs, beaucoup de troubles et pousse beaucoup, bien sûr, à se poser des questions sur la véracité des choses, sur la véracité de l'existence du Seigneur, sur son amour, sur la vérité qui a franchi et aussi à se poser des questions sur les vrais chrétiens. Et dans le monde, bien sûr, cette confusion pousse les gens aussi à douter de plus en plus de nos politiciens, bien sûr, qui malheureusement font des promesses qu'ils ne peuvent réaliser parce que tout simplement, ils n'en ont pas le moyen. Voilà. Donc le monde est dans ce chaos. Donc la confusion, c'est aussi ce chaos, bien sûr, qui s'agrandit. Et on la voit, bien sûr, de plus en plus dans le monde. Alors, on va, bien sûr, aller d'emblée à la source. On va aller à la source de toute chose, c'est-à-dire au premier livre de la Bible, la Genèse. Nous sommes dans Genèse, chapitre 1er. Chapitre 1er. Alors, on va commencer à partir du verset 1er. Genèse, chapitre 1er, on lira à partir du verset 1er, un passage que beaucoup connaissent. Alors, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Et Dieu vit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le jour 1. Voilà, donc on nous dit au commencement, ici, que Dieu va créer, n'est-ce pas, les cieux et la terre. Et nous apprenons, mes amis, que la terre était devenue informe et vide, tohu et bohu. Donc, cette terre qui est devenue chaotique, désertique, n'était pas du tout créée à l'origine comme ça. Donc nous comprenons, mes amis, que c'était ce chaos, ce tohu et bohu n'était rien d'autre qu'une conséquence ou des conséquences, n'est-ce pas, de quelque chose que Dieu seul sait, que Dieu seul connaît, parce que les Écritures restent assez silencieuses là-dessus. On peut faire des suppositions. Par exemple, la chute peut-être de Satan et des démons est intervenue, tout ça. Et en tout cas, une chose est sûre, la parole est claire ici. L'hébreu « aya » a été traduit par « été » ou encore par « devenir ». Donc, bien sûr, dans la BJC, on a plutôt choisi de le traduire par « devenir » parce que Dieu n'a pas créé la terre en forme vide. Donc, c'était une conséquence de quelque chose. Voilà. Donc, certainement, du péché ou de la rébellion de Lucifer, de Satan, ça, Dieu seul le sait. Mais en tout cas, Dieu qui est parfait, tout puissant, n'a certainement pas créé la terre chaotique, désertique
Et comme les Écritures, bien sûr, le montrent ici, et Dieu a créé toute chose parfaite, hein, toute chose était parfaite, pardon, et tout était parfait. Et donc, ce tohu-bohu était certainement dû, et ce désordre, je dirais, cette confusion, parce que c'est la confusion tout simplement, était due certainement au péché. Et au péché, vous me direz, mais même Adam n'était pas encore créé, mais certainement à la chute de Satan, parce qu'on nous parle ici, n'est-ce pas, des ténèbres et qui étaient à la surface de l'abîme, n'est-ce pas, les ténèbres qui étaient là. On sait tous que les ténèbres, bien sûr, nous parlent de l'ennemi. Et Ésaïe 60 nous dit également que les ténèbres vont couvrir le monde. Donc la confusion, tout simplement. Alors la terre ici était complètement à la confusion, complètement désertique, complètement chaotique. Et voilà. Et on retrouve ce désordre-là, ce désordre ici, bien sûr, dans Genèse 1 n'a pas été produit par le Seigneur, bien évidemment. On verra tout au long de l'enseignement que certaines confusions, n'est-ce pas, il y a une confusion que Dieu aussi envoie, parce que les gens, si les gens refusent de se soumettre à sa parole, la conséquence, c'est la confusion que Dieu lui-même envoie. Comme lorsqu'il envoie un esprit d'égarement, n'est-ce pas, à ceux et celles qui refusent de se convertir. Voilà, donc il y a eu ce chaos. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ici dans Genèse 1? On nous dit que Dieu va d'abord amener la lumière. Voilà, donc là où il y a la confusion, eh bien, il faut tout simplement la lumière. Vous savez, la confusion, c'est quoi? La confusion peut se traduire par l'absence totale de la lumière. Voilà, la confusion, l'absence totale de la lumière, de la présence de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire avant de ramener l'ordre, parce que c'est ce que Dieu va faire dans Genèse ici, il va au préalable amener à la lumière. Il va d'abord apporter la lumière. Qu'est-ce que la lumière produit? La lumière produit de plusieurs choses, hein. Premièrement, la lumière amène la connaissance, parce que une fois qu'on est éclairé, ben, on a la connaissance. Quand on est dans si on est dans le noir, on ne voit pas. S'il y a de la saleté quelque part, on va pas la voir. Et si la lumière arrive, ben là, on va voir la connaissance, n'est-ce pas, de la saleté. On va découvrir qu'il y a de la saleté dans, n'est-ce pas, le local dans lequel on se trouve. Donc la lumière amène l'éclairage, la lumière amène la connaissance. Ça, c'est la première des choses que la lumière amène. Et ensuite, la lumière amène quoi? La lumière amène aussi la séparation, parce qu'une fois qu'on a la connaissance, une fois qu'on a le discernement, parce que la connaissance, c'est tout ça, le discernement, tout ça. Et une fois qu'on a le discernement, une fois qu'on a la connaissance sur son état, sur l'état de son environnement, eh bien, on va procéder à la séparation. Et c'est exactement ce qui va se passer ici dans Genèse chapitre 1er. Donc Dieu amène d'abord la lumière. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer. Il va faire une séparation nette. Parce qu'il peut y avoir de mélange. Et comprenez aussi que la confusion, c'est aussi le mélange. Quand il y a le mélange, il y a la confusion. Je prends un exemple. Vous prenez, par exemple, la couleur blanche et vous la mélangez avec la couleur noire, et bien, il va y avoir une confusion, un mélange. Voilà. Donc, on va plus tellement identifier les deux couleurs originelles parce qu'il y a eu mélange. Donc, voyez bien que ici, Dieu, dans cette confusion primitive, il va au préalable amener la lumière et la lumière va, n'est-ce pas, apporter la connaissance qui va permettre, bien sûr, à la séparation de se faire facilement. Donc, vous ne pouvez pas vous séparer d'avec certaines habitudes, vous ne pouvez pas vous séparer d'avec certaines compagnies, certaines amitiés, si vous n'avez pas d'abord reçu la lumière, si vous n'êtes pas éclairé par la lumière. Or, cette lumière n'est autre que Yeshua lui-même. Donc, la confusion ici, on voit bien que c'était vraiment l'absence de lumière, ce qui fait que eh ben, les ténèbres régnaient. Les ténèbres, l'absence de lumière, l'absence de connaissance véritable. Et il faut amener d'abord la lumière. Donc, la lumière, comme je vous l'ai dit, hein, je me répète, produit, premièrement, la connaissance ou encore le discernement, et le discernement ben, nous amène à la séparation. Une fois qu'on sait qu'on est dans le mal, une fois qu'on a compris qu'on est dans le faux, qu'on est dans le péché, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se sépare voilà, du mal. Et c'est comme ça que le Seigneur a procédé ici, avant de, n'est-ce pas, créer les animaux, avant de créer Adam.
Il a d'abord amené, n'est-ce pas, la lumière, la connaissance, le discernement sur terre et aussi la séparation. Parce qu'on ne peut pas travailler dans la confusion, c'est pas possible. On ne peut pas servir le Seigneur dans la confusion, c'est pas possible. Voilà. Donc je me répète encore, la confusion, c'est l'absence de lumière. La confusion, c'est le mélange. Voilà. Donc un peu de mélange. Alors nous allons voir cette confusion dans une assemblée, dans les Écritures. Voilà. Donc alors on va, si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible, l'équipe, de nous montrer la BGC. D'aller sur le site de la BGC. Si c'est possible, c'est pas possible, c'est pas grave. D'aller sur le site de la BGC et de nous, on va aller sur Actes des Apôtres au chapitre 19 et nous lirons juste le verset 32. Voilà. Donc vous avez vu qu'au début, au commencement, il y avait cette confusion. Le Seigneur d'abord a créé les cieux et la terre et on nous dit que la terre, n'est-ce pas, va devenir informe et vide. Parce que Dieu n'a pas créé la terre, comme nous dit Jérémie, hein, Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit désertique, c'est-à-dire tohu et bohu. Hein. Et donc, il a créé pour qu'elle soit remplie, pour qu'elle soit habitée, pour qu'elle soit, n'est-ce pas, qu'elle ait une forme. Et là, on nous dit qu'elle était informe et vide. Or, Dieu veut nous remplir de sa présence, il veut nous remplir de son amour, il veut nous combler de sa bénédiction. Donc Dieu ne peut pas créer quelque chose ou quelqu'un et le laisser vide et sans forme. Donc on comprend bien que c'était la conséquence de quelque chose de précis, certainement, hein, donc la chute de l'ennemi. Maintenant, mes amis, dans Actes chapitre 19, verset 32, on va retrouver cette confusion-là, justement, dans une assemblée, dans une église. Mais vous allez voir que cette église, n'est-ce pas, n'avait rien à voir avec l'église de Yeshua. C'était une autre assemblée, c'était une autre église. Pourtant, c'est le même terme grec qui va être utilisé pour parler aussi de l'église de Yeshua. Donc, par là, nous comprenons qu'il y a deux églises. Il y a l'église de Yeshua, qui n'est connue que de lui seul, qui est composée des Juifs, c'est-à-dire des Hébreux, qui ont reconnu le Messie, en l'occurrence Yeshua, leur Messie, et des personnes issues des nations, n'est-ce pas? Qui, avec les Juifs, vont composer, vont faire partie d'un seul corps, le corps de Yeshua. Et cette église-là, elle est bien sûr établie dans les cieux, elle est céleste, elle est, n'est-ce pas, attachée donc à sa tête, qui est Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Cette église-là, elle n'est pas du tout dénominationnelle, elle n'est pas du tout soumise aux lois. Bien sûr, des hommes, parce qu'elle est soumise à la loi de Dieu. Cette église est composée des personnes vivantes présentement, c'est-à-dire vous et moi, qui, toutes les personnes qui aiment le Seigneur, qui suivent le Seigneur, qui obéissent à sa parole, également des personnes décédées, comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, comme ceux qui sont venus après eux, n'est-ce pas? Des personnes aussi, des chrétiens qui sont décédés dans notre génération. Et des hommes et des femmes qui, bien sûr, craignaient le Seigneur. Et ces personnes décédées, bien sûr, sont toujours vivantes en Christ. Parce que les personnes en Christ, les croyants en Christ, ne meurent pas. Hein, physiquement, bien sûr, ils meurent, ils se reposent, mais en esprit, ils sont toujours vivants en Christ. Donc l'église de Yeshua est composée des chrétiens vivants et des chrétiens décédés qui sont toujours en vie. Parce que la mort, comme vous le savez, ne nous extrait pas, ne nous sort pas. C'est pas parce que quelqu'un décède que la personne est exclue du corps de Christ. Voilà, la mort a été vaincue, vous vous rappelez, le Seigneur l'a déclaré dans Apocalypse 1,18. Donc cette église-là, elle n'est pas dans la confusion, elle n'est pas vide, elle n'est pas, n'est-ce pas, sans forme, parce que le Seigneur l'a bâtie, le Seigneur l'a façonnée, le Seigneur l'a formée. Elle n'est ni baptiste, ni pentecôtiste, ni presbytérienne, elle n'est pas luthérienne, elle est tout simplement l'église corps de Yeshua, elle est cette église-là puissante et vivante, qui, bien sûr, marche par l'Esprit, qui est dirigée par le Saint-Esprit, enseignée par le Saint-Esprit, et qui adore le Seigneur nuit et jour en esprit et en vérité.
Voilà. Maintenant, il y a la deuxième église qui est une église, bien sûr, à la fois humaine et démoniaque. Démoniaque parce que c'est l'ennemi qui est venu semer, n'est-ce pas, planter cette église avec ses ouvriers, ses enfants qui sont bien sûr livrés, comme vous le savez, selon la parabole du blé et de l'ivraie dans Matthieu 13, pendant que les serviteurs, n'est-ce pas, du maître du champ, donc dormaient, son ennemi est venu, l'ennemi du maître du champ, Satan, semer, planter, livrer, c'est-à-dire la fausse église. Et donc il y a deux églises seulement, l'église du Seigneur et l'église, bien sûr, satanique et humaine. Et cette église humaine, elle est émergente, elle est composée de toutes les personnes qui aussi se réclament de la Bible. Ces personnes-là peuvent aussi ne pas être membres d'une église locale. Elles peuvent aussi être des personnes, des hommes et des femmes solitaires, enseignant aussi selon eux la parole. Pourtant, ils ne fréquentent aucune assemblée locale, mais ils font quand même partie de l'ivraie, c'est-à-dire des hommes et des femmes que Satan utilise, Satan a planté, dont l'objectif est de semer la confusion dans les cœurs des enfants de Dieu. Parce que cette église-là, justement, elle est une église complètement confuse. Et nous sommes dans Actes chapitre, justement, 19, le verset 32. Donc, si on peut voir le texte grec. Voilà, on va aller voir le texte grec, le texte reçu. Voilà, Bible, ouais, voilà. Et puis on va aller, non, l'autre côté. On va prendre le texte reçu, parfait. Acte 19, 32. Alors, on va aller vérifier Ecclésia, l'église dans le grec. Voilà. Ah, je crois qu'on était bon là. Ah, le texte grec, 32. Voilà. Donc. Vous avez vu, on nous dit ici que les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Voyez? Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car l'assemblée était confuse. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient assemblés. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car l'assemblée, alors le mot assemblée ici, c'est toujours ecclésia, que l'on retrouve bien sûr dans Acte 19, Acte 16, 18, hein, où le Seigneur disait à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia. Donc, c'est le même terme. Donc, vous voyez bien que Yeshua a bien précisé mon église. S'il avait dit, je bâtirai une église, donc ça allait apporter la confusion. Et comme notre Dieu n'est pas le Dieu de la confusion, il a bien dit qu'il allait bâtir son église. Et quand le Seigneur disait qu'il allait bâtir son église, par là, il voulait faire comprendre aux apôtres qu'il y a d'autres églises qui ne sont pas les siennes, n'est-ce pas? Il y a d'autres, ou je dirais encore, il y a une autre église qui n'est pas la sienne, parce qu'il a bien précisé mon église. C'est comme quelqu'un qui dit, ben, avec ces pierres, je bâtirai ma maison. Cela veut dire qu'il y a d'autres maisons. Mais la personne insiste sur le fait que cette maison-là, qu'elle allait bâtir, allait être sienne. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a deux églises. Une église, c'est la première église, c'est celle que Yeshua a bâtie. Et quand Yeshua va utiliser le terme ecclésia ici, dans Acte 19, 32, dans Matthieu 16, pardon, 18, il savait pertinemment que ce terme-là, donc ecclésia, était utilisé par les Grecs pour parler de leurs églises à eux, de leur réunion citoyenne, où les lois étaient votées par le peuple, où les magistrats étaient élus, où l'on pouvait pratiquer l'ostracisme, c'est-à-dire les exclusions des membres qui ne se soumettaient pas aux lois votées par le peuple, donc les lois de l'Église qui se réunissait notamment à Athènes.
voyez? Donc Yeshua dit qu'il allait bâtir son église. Et ici, les Écritures nous disent dans Actes 19 qu'il y avait une autre église, mais pas celle de Yeshua. Et dans cette église-là, on nous dit que les gens, les uns criaient d'une manière. Alors, crier ici, mes amis, ça vient d'un terme grec. On va vérifier cela. Hein, crier. Dans les textes, voilà, c'est craso. Hein, craso. Alors, craso signifie coasser, coasser ou encore crier en parlant de la grenouille ou du crapaud. Donc, on voit bien que dans l'église confuse, dans l'église où il y a la confusion, donc l'église diabolique, les cris qu'on entend là-bas, là, ces cris peuvent être traduits par les chants, les enseignements, les prédications, tout ça là, ces cris-là, ce sont des cris de crapauds, des grenouilles. C'est-à-dire, c'est une église remplie d'animaux. Ils n'ont pas été transformés. Voyez? Donc, ces hommes et ces femmes étaient en train de coasser, c'est-à-dire de crier comme, n'est-ce pas, comme des grenouilles. Et deuxièmement, crato signifie aussi croasser, croasser. Hein, vous avez deux verbes ici, coasser et croasser. Alors, croasser, c'est crier en parlant du corbeau. Et nous savons tous que le corbeau était un animal impur, n'est-ce pas, interdit à la consommation chez les Hébreux, sous Moïse. Donc là, nous avons une assemblée des corbeaux et des crapauds. Vous voyez, mes amis, une église remplie de corbeaux et de crapauds. Et c'est exactement ce que nous voyons actuellement. Il y a une confusion dans le monde chrétien. Il y a une confusion dans le monde chrétien avec ces sites internet sur YouTube ici et là. Il y a une confusion comme pas possible. Il y a une multiplication de prédicateurs, d'enseignants, de prophètes, des malheurs, des ministères de canapé comme on le sait se le dire. Et ça crie ici et là. C'est la confusion totale. C'est comme des crapauds, c'est comme des corbeaux et qui crient et c'est la confusion. Et mes amis, ce sont des choses qui doivent arriver selon les Écritures, n'est-ce pas? Donc cette église-là, comprenez bien, quand on parle de l'église dans la confusion, et l'église babylonienne et tout ça, quand on parle de Babylone, vous pouvez ne pas être membre d'une église locale physiquement et être complètement dans Babylone, parce que Babylone, c'est un état d'esprit. Babylone, c'est le mélange. Donc on peut être, Babylone signifie littéralement confusion par le mélange. Donc vous pouvez ne pas être membre d'une église locale physiquement, mais être complètement mélangé au niveau de vos enseignements, complètement mélangé par rapport à tout ce que vous pouvez dire sans vérifier. Le mélange total, manque de discernement, confusion totale, c'est ça Babylone. Ne pensez pas que parce que vous ne faites pas partie d'une église locale que vous n'êtes pas touché par Babylone. Babylone, c'est un esprit à la base. C'est une manière de faire, c'est une manière de procéder. Babylone, c'est tout ça. Frère, on nous dit les uns criaient d'une manière, donc on a compris hein, qu'il y avait des corbeaux, des corbeaux qui criaient, hein, qui coassaient, hein, donc des grenouilles qui coassaient, il y avait des corbeaux qui croassaient, il y avait, donc les uns c'était des corbeaux, d'autres c'était des grenouilles, et tout ça ensemble dans l'église, mais quelle église? Pas l'église du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on apprend également? On nous dit que l'assemblée était confuse. L'église était confuse. Bah oui, c'est une église, mais pas celle du Seigneur. C'est Ecclésia. Hein? L'église était confuse. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il y avait des cris disconcordants. Et ensuite, on nous dit également que la plupart ne voyaient pas pourquoi ils étaient là, ils étaient réunis, ne savaient pas. La plupart, littéralement, ne percevaient pas. Il ne voyait pas. C'est vraiment le verbe voir ici. Hein, pour amener le fait de voir amène la connaissance. Donc beaucoup ne savaient pas pourquoi ils s'étaient assemblés. Et c'est exactement ce qui se passe dans le christianisme. Les gens vont soi-disant à la prière, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas. Il y a une confusion. Total,
Et Acte 19 décrit les églises, n'est-ce pas, qui sont gérées par la femme assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire par Babylone. Et là, cette église-là, mes amis, s'était réunie à quel endroit? Cette église était réunie, mes amis, dans un théâtre. Et le verbe « assembler » ici signifie aussi, donc le mot « assembler », parce qu'il y a deux mots ici, les uns créés d'une manière, les autres d'une autre, car l'assemblée était confuse et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient assemblés. Donc le dernier verbe « assembler » ici signifie « cohabitation », hein, n'est-ce pas, « cohabitation conjugale ». Et on retrouve ce mot-là, ce verbe-là dans Matthieu 1, 18, où on parle, n'est-ce pas, de Joseph qui n'avait pas, qui ne cohabitait pas avec Marie. Donc il est question ici d'une cohabitation conjugale. C'est-à-dire, c'est comme un couple qui se met ensemble sans savoir pourquoi. Un homme et une femme, ils se mettent ensemble et ils ne savent pas pourquoi ils se sont mis ensemble. Et c'est exactement ce qui se passe avec des connexions, hein, que les uns et les autres cherchent ici et là dans cette église babylonienne. Les gens courent après les connexions, les amitiés fictives. Regardez bien aujourd'hui sur Internet. Quelqu'un va faire des vidéos, il va devenir ami avec un autre prédicateur qui est dans un autre pays étranger. Ils ne se sont jamais vus physiquement. Ils ne se sont jamais côtoyés, mais ils peuvent témoigner les uns sur les autres. Vous voyez la confusion? Comment pouvez-vous témoigner sur quelqu'un alors que vous ne l'avez pas approché? Vous n'avez pas physiquement approché la personne pour voir comment elle vit, comment la personne est avec sa famille. Et vous pouvez vous permettre de vous lever, de recommander, de dire, ça c'est un homme de Dieu, ça c'est un faux. Vous voyez la confusion? Ben, c'est ce qui se passe actuellement. C'est la confusion totale. Pourquoi? Parce que avec le net, avec la téléphonie, le monde est devenu un petit village. Et les gens ne se connaissent pas. Ils vont témoigner les uns sur les autres. C'est la confusion totale, c'est le mélange total. Et c'est ça, mes amis, ce qui se passe. Donc, l'Église dans la confusion. Et regardez, mes amis, ce que la parole nous dit dans le livre de Genèse. Chapitre 11. Alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar où ils habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, très bien au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit d'argile. Puis ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de la terre. » Alors Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Et Yahweh dit, voici, ce n'est qu'un seul et même peuple. Ils ont un même langage et ils commencent à travailler. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Ainsi, Yahweh les dispersa de là par toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que Yahweh les dispersa sur toute la terre. Alors Babel, Babylone, qui signifie mêler, mélanger, voyez, c'est la confusion par le mélange, tout simplement. C'est ça Babel, Babylone. Donc voyez bien qu'il y a justement cette confusion qui est là, parce que nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de mélange. Même sur les produits, hein, de ce monde, hein, on parle de deux, hein, trois en un, tout ça. Donc on voit bien que tout est mélangé. Nous sommes dans une génération, il y a des mélanges. Mélange, mes amis, des cultures, mélange des pays, mélange, n'est-ce pas, il y a plein de choses. Donc il faut faire plein de mélanges. Et c'est la génération dans laquelle nous sommes. Et qu'est-ce qu'on apprend, mes amis? Ils avaient projeté de construire une tour, c'est-à-dire des ziggourats, une ziggoura, c'est-à-dire un édifice religieux pour atteindre, selon eux, le ciel, c'est-à-dire la divinité. Ils ont voulu atteindre Dieu par leurs propres moyens et c'est exactement ce qui se passe. Dans l'église confuse, les gens cherchent à servir Dieu alors que Dieu ne les a pas mandatés. Comment peut-on savoir cela? Mais c'est simple, il n'y a aucun miracle dans ce qu'ils font. La Bible est remplie de miracles.
Premier miracle, le changement de caractère, changement de cœur. Dieu amène les gens à la repentance, à la conversion. Ça, c'est un grand miracle. Où sont les conversions chez eux, chez ces hommes et ces femmes? Il y a des adhésions, mais où sont les conversions? Où sont les guérisons des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des muets qui parlent? C'est biblique tout ça? C'est des choses que l'on lit dans la parole, on doit les vivre logiquement. Pourquoi on ne le vit plus? Et quand on commence à les vivre, on dit non, c'est le diable, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Mais dites-moi, quelle est cette magie qui peut faire plus de miracles que Dieu? Si vous avez Dieu, ben faites des miracles. C'est ça, le peuple veut voir, nous sommes sur le mont Carmel, le peuple veut voir. Et c'est ça, cette génération est tellement dans la confusion, mes amis, parce que ces églises sont mélangées, ces hommes sont mélangés. Et c'est le temps de confusion, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, politique, financier. C'est un mélange de toutes sortes, de toutes sortes. Sur le plan sexuel, il y a un mélange, vous voyez, un mélange. Homme avec homme, femme avec femme. Et Dieu disait dans Lévitique 18 justement que si quelqu'un allait avec un animal, couchait avec un animal, c'était la confusion. Vous voyez, c'est une confusion, Dieu dit, dans les Écritures. Nous sommes dans Lévitique 18, verset 23. Lévitique 18, 23, qu'est-ce que nous lisons? Vous voyez, la confusion, elle est à tous les niveaux. Dieu dit ceci, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Et la femme ne se prostituera point à une bête. C'est une confusion. Vous voyez, c'est une confusion. Donc, on voit bien que la confusion, elle est d'abord sur le plan spirituel, hein, sur le plan spirituel. Donc là, la confusion peut être aussi sur le plan sexuel. Il y a une confusion de genre. Voilà, il y a un troisième genre aujourd'hui. On en a connu deux jusqu'à il y a quelques années, le genre féminin, genre masculin, et aujourd'hui on nous dit qu'il y a un troisième genre. C'est-à-dire, quelqu'un décide de, alors qu'il est né homme ou femme, il va se lever et dire, moi je ne suis ni homme ni femme. Voilà. Confusion. Quelqu'un qui se lève, surtout au Danemark, je lisais un article, mes amis, au Danemark, par exemple, la zoophilie, les rapports sexuels avec les animaux, la zoophilie n'est pas interdite. Il y a beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Européens, hein, il y a beaucoup de touristes européens qui vont là-bas pour avoir des rapports avec des animaux, avec des chiens, avec des chevaux. Vous voyez cette confusion, mes amis, dans laquelle les hommes sont? Les gens sont, c'est comme dans Ninive, hein, les gens étaient tellement dans la confusion qu'ils ne pouvaient pas distinguer leur main gauche de leur main droite. Et bien, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Il y a une confusion telle que, mes amis, certains se disent qu'ils ne sont ni hommes ni femmes, et d'autres se disent qu'elles ne sont pas des femmes, elles sont des hommes. Donc on voit deux hommes qui vont ensemble, il y en a un qui appelle l'autre ma femme, donc pourtant c'est un homme. On voit bien qu'il y a une confusion, mes amis, sur le plan, mes amis, moral, sur le plan éthique, sur le plan, mes amis, sexuel. Donc il y a plein de nouvelles orientations sexuelles aujourd'hui. De plus en plus, il y a même des gens qui réclament aujourd'hui qui disent carrément qu'il faut reconnaître officiellement, la pédophilie. Faire tout pour qu'il y ait des lois pour que la zoophilie soit reconnue comme étant une pratique sexuelle normale. Et c'est cette confusion qui règne dans ce temps dans lequel nous sommes. Attention, Dieu veut que ces hommes et ces femmes soient touchés par l'évangile. On n'a pas à leur manquer du respect. Il faudrait prier pour ces personnes et leur témoigner de l'amour. C'est ce que la parole nous demande. Il y a une confusion sur le plan, à part sur le plan sexuel, sur le plan, mes amis, politique, il y a une confusion. Il y a une confusion telle que le monde réclame aujourd'hui, n'est-ce pas, l'avènement de l'homme impie. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'hommes politiques capables de, bien sûr, il n'y en a pratiquement plus, qui soit capable de changer le visage de la terre. Parce que il y a des problèmes, des crises économiques, des guerres, des troubles, la famine, problèmes climatiques, écologiques, tout ça. Donc on voit bien que le monde va mal et les nations soupirent après, mes amis, l'émergence, l'avènement de l'homme impie. C'est-à-dire ce futur gouverneur de la terre, dictateur mondial, qui viendra, soi-disant, pour proposer la paix aux habitants du monde.
Donc on voit bien qu'il y a une confusion. Il y a une confusion totale sur le plan politique. Vous voyez? Donc, on va élire un président aujourd'hui et demain, on n'en veut plus. Et il y a une confusion entre ceux qui s'accrochent au pouvoir pendant des années et d'autres qui et d'autres qui veulent le pouvoir. Donc il y a une confusion telle que, mes amis, gauche, droite, on ne sait plus. C'est les mêmes politiques pratiquement qui sont appliquées. C'est la confusion totale. Voyez? Et sur le plan familial, il y a une confusion. Divorce sur divorce. Le mariage n'est plus ce qu'il était avant. Il y a une confusion, mes amis. Sur le plan financier, mais vous voyez, c'est nous sommes sur une poudrière avec une crise planétaire, mondiale qui menace les nations, une crise financière. Et cette crise, on n'en sort pas encore, hein, on n'est pas encore sorti de là, selon les hommes de ce monde. Une crise, bien sûr, fomentée de toutes pièces pour justifier la présence, bien sûr, des organismes internationaux tels que le FMI, la Banque mondiale, l'OMS, tout ça. Et en gros, les agences de l'ONU et par-dessus tout, le gouvernement, bien sûr, mondial. Voilà la confusion. Et que faire, mes amis? Et sur le plan, mes amis, religieux, il y a une confusion, comme vous avez vu. Regardez le nombre de dénominations qui existent. Toutes se réclament de la Bible. Rien qu'aux États-Unis, il y a au moins 33 000 dénominations liées à la Bible, en rapport avec la Bible. Plus de 33 000. Entre les Mormons, les témoins de Jéhovah, les baptistes, les catholiques, il y en a tellement, tellement, tellement. Il y a une confusion terrible. Et sans parler d'autres religions qui existent dans le monde. Chacun se réclame, chaque religion, chaque prédicateur, chaque prophète se réclame de Dieu. Et rien que dans l'hindouisme, par exemple, chez les hindous, vous avez plus de 3 millions de dieux. Vous voyez la confusion? La confusion avec tous ces attentats au nom de Dieu, soi-disant, tuer les autres parce qu'ils sont considérés comme impies. La confusion avec toutes ces fusillades, ces jeunes femmes dont la vie, n'est-ce pas, est écourtée. Et c'est cette confusion, mes amis, des attentats ici et là, même l'Afrique est frappée par ces choses. On voit que la terre est sur une poudrière, il y a une confusion et les hommes ne savent pas dans quelle direction se diriger. Et mes amis, et dans nos églises, soi-disant, il y a une confusion. On va sur YouTube, vous allez sur Internet, vous allez voir la confusion, cette multitude de vidéos. Une confusion telle que les mêmes disent aujourd'hui, tu es des dieux, le lendemain, tu es satanique. C'est-à-dire, ils sont eux dans une telle confusion qu'ils ne savent même plus ce qu'ils disent. Un mélange comme pas possible, mélange de discours. Mélange de confusion, ils sont dans la confusion et ils produisent des chrétiens confus. Ils produisent des œuvres confuses. C'est la confusion totale, totale, totale. Alors, mes amis, et c'est ce qui se passe dans Actes 19, on nous dit qu'il y avait la confusion. Dans Genèse 11, on nous dit que Dieu lui-même va dire « descendons et confondons leur langage ». Ah oui, Dieu, n'est-ce pas, va confondre leur langage. Nous sommes dans Deutéronome 7, 23. Deutéronome chapitre 7, verset 23. Mais Yahweh, ton Dieu, les livrera devant toi, et il les troublera par de grandes confusions jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Donc Dieu dit qu'elle va troubler les nations qui combattront Israël. Elle va les mettre dans la confusion, comme dans Genèse 11. Et effectivement, parce que ces nations refusent de se repentir, eh bien Dieu va les mettre dans la confusion. Et nous sommes dans Deutéronome 28, le verset 20. Qu'est-ce qu'on apprend ici? La parole nous dit, Yahweh enverra sur toi la malédiction, la confusion et la ruine dans tout ce à quoi tu mettras ta main et
que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes pratiques par lesquelles tu m'auras abandonné. Donc Yahweh nous dit ici, va envoyer lui-même la confusion. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Il y a la confusion totale. Et c'est les ténèbres, c'est la confusion. Des chrétiens ne savent plus où est la vérité. Qui vit dans la parole? Qui vit dans la vérité? Il y a une confusion totale. Et la confusion, bien sûr, amène le doute, hein, amène la peur. Parce qu'on a peur, on a des doutes. Et c'est la confusion. La confusion sur le plan politique, la confusion sur le plan familial. Beaucoup de gens ne veulent plus se marier parce qu'ils se disent, oula, il y a tellement de divorces, il y a tellement de problèmes que se marier devient compliqué. Et, on a peur, beaucoup ont peur. Il y a la confusion sur le plan spirituel, sur le plan religieux. Oula, là, mais c'est comment tout ça, Seigneur, tout ça. Il y a la confusion. Donc, et Dieu, on a vu que la confusion est aussi sur le plan sexuel, l'orientation sexuelle de beaucoup aujourd'hui. La zoophilie, par exemple, de plus en plus elle est pratiquée. La pédophilie, elle est de plus en plus pratiquée. Hein, le tourisme sexuel, tout ça. Et le divorce, le remariage de beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs. Il y a la confusion totale, totale. Si vous allez en Afrique, vous allez voir aussi cette confusion dans les églises. Comme ce pasteur au Congo, dont je tairai le nom pour ne pas faire sa pub, qui va créer son équipe de foot, carrément faisant jouer un musicien profane qui fait danser des femmes presque nues. Hein, il le fait jouer dans un grand stade, invitant aussi les membres de son assemblée. Bien sûr, c'est son église, pas celle du Seigneur. Vous voyez, une confusion totale, divorcé en tant que pasteur, remarié. Une confusion totale, mais totale, c'est la confusion. Vous avez vu ces apôtres modernes, mes amis, qui sont en costume et cravate, qui vont prêcher d'église en église pour avoir l'argent. Ils sont apôtres, soi-disant, mes amis, mais quel apôtre? C'est la confusion totale. Vous avez vu toutes ces photos des pasteurs, hein, de couples pastoraux. Vous avez vu sur leur Facebook, couple pastoral, un couple pastoral. Vous avez vu ça où? Où dans la Bible vous avez vu un couple être nommé le couple pastoral? C'est écrit où? C'est là, ils ont des beaux sourires avec Photoshop, ils ont des images. Tout ça là, c'est la séduction, c'est la confusion totale. 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 C'est la confusion. Et on voit, comme la parole le dit dans Actes 19, 32, les uns criaient d'une manière. On a vu que les cris là, c'est coassé ou encore croassé. Ce sont les cris, hein, des corbeaux, des cris des crapauds. C'est pas moi qui le dis, c'est la définition du mot grec, hein, donc krato, hein, krato qui veut dire coassé ou encore croassé, crier comme un crapaud, comme une grenouille, crier comme un corbeau, comme une corneille. C'est la confusion totale. Vous avez vu ces couples pastoraux? Ils ont l'air beaux, tous avec Photoshop, bien habillés, tout, machin, séduction comme pas possible. Mes amis, c'est plus l'évangile qui est présenté, ce sont des hommes, comme Romains 1 le dit, n'est-ce pas? Ils ont remplacé la gloire de Dieu par l'image représentant l'homme corruptible. Voyez? Et c'est la confusion totale. Et c'est l'homme qui est mis au devant, l'homme et la femme, bien sûr, le couple pastoral, tout ça. Et c'est la confusion totale, mes amis, et entre les faux prophètes, entre les faux prédicateurs, entre les gens qui s'excitent sur leur canapé, entre... Il y a une confusion telle que, mes amis... Et entre ce qui se passe dans le monde, sur le plan climatique, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan familial, sur le plan religieux, sur le plan même sanitaire. Hein. Donc, vous voyez, toutes ces maladies qui frappent le monde, c'est impressionnant. Laissez-moi vous dire, nous sommes à minuit presque, le Seigneur est en train de revenir. Parce que c'est pas, ça ne peut pas continuer longtemps, c'est pas possible, c'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que la parole nous dit justement dans Apocalypse 17? Vous pouvez appeler si vous le souhaitez. Puis l'un de sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Avec elle, les rois de la terre ont commis la fornication et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Il y avait sur son front écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je l'ai vue, je fus saisi d'un grand étonnement. On voit bien que cette femme,
Mes amis, cette femme était ivre. Elle avait tellement tué, tellement égorgé les enfants de Dieu, les vrais prophètes, qu'elle en était ivre. Et c'est ça l'église qui est dans la confusion. Cette église qui combat les vrais enfants de Dieu. Cette église qui combat les vrais prophètes. Je vous disais que cette église, elle n'est pas seulement composée des gens qui vont régulièrement dans les assemblées. Même ceux qui se disent seuls dans leur coin, devant leurs ordinateurs, ils sont touchés par l'esprit de cette femme. Elle est assise, elle est comme une reine. Et les rois de la terre lui font allégeance. Et la parole nous dit dans le livre de Daniel chapitre 2, qu'ils vont se mêler par les alliances humaines, le fer avec l'argile, mais ils ne seront pas unis. C'est-à-dire, c'est des alliances comme ça parce qu'ils ont les intérêts communs et le plus grand intérêt que cette église a, c'est l'argent. Voyez, c'est le matériel. Et regardez tous ces prophètes qui sont, mes amis, unis les uns avec les autres, qui sont reliés les uns avec les autres. C'est ça Babylone, c'est ça la religion. C'est relier les gens. Ils sont reliés, ils sont rattachés là-bas à la pastorale, là-bas, mes amis, à la pastorale, là-bas à la fédération, congrégation des pasteurs, là-bas à la fédération de je ne sais pas quoi, hein, qui aujourd'hui autorise même des mariages, mes amis, contraires à la parole. C'est la confusion totale. Vous avez vu, chrétiens, laissez-moi vous dire, il est l'heure que l'on se prépare pour le retour du Mashiach. Parce que le jour de Yahweh sera un jour terrible. Bon, je ne sais pas si on a des coups de fil. Voilà, nous sommes dans Ésaïe chapitre 22. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Chora Laurence de Chalon. Bonsoir. En tout cas, beaucoup d'encouragement pour ce qui s'est passé à Lomé. Et puis, je voulais intervenir aussi par rapport à ce qui se passe. Effectivement, en tant qu'enfants de Dieu, on est tous très tristes de voir les églises dans une telle confusion, des frères et sœurs avec lesquels on était et qui sont restés dans ces églises. Et on les voit de plus en plus rattraper les choses qu'ils avaient vomies et vivre de plus en plus dans le monde. Moi, je me souviens d'une fois, on va parler de Castanou. Dans ses premiers prêches, il disait « Ah, ne m'amenez pas des filles avec des jupes serrées, des... » Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Tout ce qu'il disait qu'il ne voulait pas voir. Et c'est vraiment la confusion. C'est là qu'on se rend compte que c'est la confusion véritablement. Et dans toutes nos églises maintenant, c'est comme ça. Malheureusement. Les commencements étaient bien. C'était des hommes et des femmes de Dieu qui aimaient le Seigneur et qui maintenant aiment le monde. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible parce que on a tellement de gens qui étaient chers à nos cœurs et qui le sont toujours et qui sont restés et qui sont totalement aveuglés, et on ne peut que prier. Et j'en ai les larmes aux yeux quand je dis ça, parce que vraiment, ça fait mal de voir des pères et des mères dans la foi qui nous ont amené le Seigneur. Nous, on est sortis, mais eux sont restés. Et ils sont dans la confusion totale. Total, et on ne peut rien faire que prier, parce que lorsqu'on leur parle, ils vont vous dire « Ah mais nous, ça fait 25 ans qu'on est dans le Seigneur, ça fait 30 ans qu'on est dans le Seigneur, tu n'as rien à nous apprendre !» Et c'est terrible. Ouais. Vraiment, mes frères et sœurs, prions pour toutes ces personnes, tous ces frères et sœurs qui aimaient Dieu sincèrement. Sincèrement,
Et vraiment, j'ai le cœur qui saigne quand je dis ça, et qui sont totalement vampirisés par ces églises babyloniennes. Prions, prions pour que Dieu les touche et qu'ils sortent, qu'ils sortent, qu'ils sortent, qu'ils sortent. Amen. Voilà. Merci. Que Dieu nous garde. Voilà. Que Dieu te bénisse, Chora, et vraiment, merci pour ton dévouement et merci pour tous ceux qui sont dans la vision, dans la parole et qui se dévouent pour le Seigneur. Merci. Encouragé. Merci, ma sœur. Au revoir. Voilà, mes amis, nous sommes dans Ésaïe 22, le verset 5. Car c'est le jour de troubles, d'oppression et de confusion envoyé par le Seigneur Yahweh des armées dans la vallée des visions. Il démolit la muraille et les cris retentissent jusqu'à la montagne. Voilà, donc Ésaïe 22, 5, on nous dit que c'est une confusion envoyée par le Seigneur dans la vallée des visions. Donc voilà, c'est la confusion totale, la confusion. Et c'est pour cela que, mes amis, dans cette confusion-là, il y a voilà, comme une lumière qui va arriver là, pour éclairer ceux et celles qui aspirent, qui cherchent véritablement le Seigneur. Et donc cette confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mes amis, dans laquelle le monde est plongé, je parle du monde d'abord, et aussi dans la chrétienté, parce que, je dis bien la chrétienté, parce que c'est pas seulement une ou deux églises ici, là, c'est la chrétienté pratiquement dans sa globalité. Et je parle de la chrétienté de ceux et celles qui se réclament de la Bible, voyez, et qui se retrouvent, mes amis, dans le doute pour certains. Ils se disent, mais est-ce que Dieu guérit encore ou pas? Où sont les délivrances? Où sont les... Tout ça, là, c'est la confusion, la confusion. Et regardez ce que la parole nous dit, justement, dans le livre de Joël. Je ne sais pas si on a quelqu'un d'autre en ligne, mes amis. On a quelqu'un d'autre en ligne? C'est bon, songe. Bon, moi, je donne. Voilà. Aujourd'hui, là, les gens veulent vraiment participer, là. Que Dieu soit béni. Allô, bonsoir. Ok, donc nous sommes dans Joël chapitre 2. Il est dit ceci, à partir du verset 1er. Sonnez du chauffard en Sion. Sonnez du chauffard en Sion. Et sonnez avec un retentissement bruyant dans la montagne de ma sainteté. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de Yahweh vient. Car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore s'étend sur les montagnes. Donc les montagnes ici, c'est les nations. Bien sûr. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'en aura jamais dans la suite des siècles ou des âges. Devant lui, un feu dévorant. Devant qui? Yahweh. Un feu dévorant. Et derrière lui, une flamme brûle. Devant lui, le pays était comme le jardin d'Éden. Et derrière lui, la désolation d'un désert. Et rien ne lui échappe. Leur aspect est comme l'aspect de chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Leur aspect comme l'aspect de chevaux. C'est comme le bruit des chariots quand ils sautent au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Les peuples tremblent en le voyant, tous les visages en deviennent pâles et livides. Ils courent comme des hommes vaillants et montent sur les murailles comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans se détourner sans se détourner de son sentier. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun va son chemin. Ils se jettent au travers des épées sans être blessés. Ils courent ça et là dans la ville, se précipitent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme les voleurs. La terre tremble devant eux, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. Aussi Yahweh fait entendre sa voix devant son armée, parce que son camp est très grand, car l'exécuteur de sa parole est puissant. Certainement, le jour de Yahweh est grand et terrible. Qui pourra le supporter? C'est une question. Qui pourra le supporter? Maintenant encore, dit Yahweh, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à Yahweh votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent d'avoir affligé.
Qui sait si Yahweh, votre Dieu, ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne le sera point avec lui la bénédiction des offrandes et des libations, s'il ne le sera point après lui. Sonnez du chauffard en Sion, c'est un ordre. Sanctifiez le jeûne, publiez l'assemblée solennelle, assemblez le peuple, sanctifiez la congrégation, réunissez les anciens, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et que l'épouse de sa chambre nuptiale. Bien sûr, les questions de Yeshua ici, hein, alléluia, gloire à Dieu. Que les prêtres qui font le service de Yahweh pleurent entre le portique et l'autel et qu'ils disent, Yahweh, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'opprobre, que les nations n'en fassent point un sujet de raillerie. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu? Voyez, or Yahweh est jaloux pour son pays et il est ému de compassion envers son peuple. Yahweh répond et il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du vin et de l'huile et vous en serez rassasiés. Et je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'armée venue du nord. Je la chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer occidentale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et sa puanteur montera et son infection s'élèvera après avoir fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car Yahweh fait de grandes choses. Ne craignez point, bêtes des champs, car les pâturages du désert ont poussé leurs jets, et même les arbres portent leurs fruits. Le figuier et la vigne ont poussé avec vigueur. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Yahweh votre Dieu, car il vous donnera la pluie selon sa justice, et il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison au premier mois. Waouh! Il est question ici vraiment de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Et les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin et d'huile. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ainsi je vous rendrai les fruits des années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous aurez donc en abondance de quoi manger et être rassasiés et vous louerez le nom de Yahweh, votre Dieu, qui aura fait pour vous des choses merveilleuses. Et mon peuple, dit Yahweh, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion actuelle touche beaucoup de gens, même les gens du monde, aussi bien les gens du monde que certains parmi le peuple de Dieu. Et il y a une promesse que Dieu fait ici. Il annonce, il dit, il faut sonner le chauffard. C'est-à-dire, il appelle les hommes et les femmes qui aiment la parole, qui aiment la vérité, d'annoncer le retour du Machia, d'annoncer l'enlèvement de l'Église. Et il dit que son peuple ne va plus être dans la confusion. Chrétien, une bonne nouvelle pour vous. Il y a une nouvelle qui va vous encourager. Vous ne serez plus jamais dans la confusion. La confusion par rapport aux fausses églises, aux faux prophètes, par rapport à toutes ces critiques, mes amis, fondées sur vous, sur les vrais enfants de Dieu, la confusion par rapport au péché, la confusion par rapport aux maladies qui frappent le monde, la confusion par rapport aux promesses non tenues de la part de ceux qui nous dirigent, tout ça là, la confusion par rapport à ce que vous, au décès, par rapport à la mort, par rapport à la, tout ce que vous avez pu vivre, tout ce que vous vivez actuellement, la confusion par rapport à la persécution. Dieu dit, nous ne serons plus jamais dans la confusion. N'est-ce pas? Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis Yahweh votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu insiste, il le dit à deux reprises, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Chrétiens, nous sommes dans une génération à la confusion. Les vrais prophètes, on les traite de faux prophètes. Les vrais enfants de Dieu, on les traite de faux enfants de Dieu. Les vrais pasteurs, on les traite de faux, et les faux sont adulés, sont acceptés, acclamés. Ceux qui ne font aucune œuvre ne font que crier matin, midi, soir pour critiquer, pour parler, juger, sans raison, sans fondement, et surtout qu'ils ne produisent aucune œuvre. Pas de conversion, pas de veuves qui sont nourries, pas d'orphelins qui sont nourris, juste des cris des crapauds, comme on l'a vu dans Actes 19, des crapauds, des corneilles, des corbeaux, ils ne font que crier, les uns crient d'une manière, les autres d'une autre. Il y a des cris sans fondement. Et d'autres ont peur de dire la vérité. Ils préfèrent se cacher, se terrer, hein, tels des renards, n'est-ce pas, dans leur tanière, parce qu'ils ont peur de pouvoir parler, de peur d'être exposés, combattus, traités de tous les noms. Mais nous avons accepté de crier, de sonner le chauffard, comme Dieu l'a dit. Encore il y a quelques jours, j'avais une vision, avec 4 ou 5 jours, où on me disait que Yeshua revient, il fallait se préparer. Allô, bonsoir. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste réagir à ce que vous avez dit en début d'émission au sujet.
sujet de, des frères et sœurs morts en Christ. Et à savoir que moi, par exemple, j'ai ma maman qui est décédée il y a 2-3 ans. Et je ne sais pas si elle a reçu cette révélation de Christ comme moi je l'ai reçue, enfin, comme nous l'avons reçue là depuis peu. Si ces personnes-là, justement, qui ont vécu leur foi en, en croyant réellement aimer Dieu et aimer Dieu réellement, sans connaître pour autant qui il était. Et ces personnes-là pourront, enfin, je veux dire, être sauvées réellement. Ben, disons que si elles croyaient que Yeshua, que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, il n'y a pas de problème. Si elles le reconnaissaient comme leur sauveur, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. D'accord. Okay. Pour être sauvé, nous dit la Bible, il faut croire que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le sauveur de l'humanité, le seul. Donc ça, ouais. Voilà. D'accord. Très bien. Voilà, bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, mes amis, que Dieu soit béni. Donc, la confusion, elle est là. Alors, pour, vous me direz, frère, que faire pour ne pas être dans la confusion? Eh bien, c'est simple. Méditez la parole. Faites tout ce que Dieu vous dit. Priez Dieu. Dieu se révélera à vous. Demandez au Seigneur de vous révéler l'état des frères et sœurs qui sont ses vrais serviteurs, ses vraies servantes. Et Dieu parle. Dieu parlera à son peuple. Vous voyez, mes amis? Donc, la confusion, elle sera de plus en plus grande, tant sur le plan sexuel, péché, sur le plan moral, sur le plan familial, sur le plan religieux, tout ça, et que sur le plan, mes amis, comment dire, sur le plan spirituel. Hein, donc la confusion, elle va de, sur le plan économique également. Donc il y aura de plus en plus de problèmes, selon la Bible, de plus en plus de chrétiens authentiques qui sont rejetés, qui sont persécutés, traités de faux, de plus en plus de chrétiens rejetés, de plus en plus des martyrs même. Hein, donc, comme nos frères et sœurs qui sont persécutés dans certains pays musulmans, il y a, voilà. Donc, il y aura de plus en plus de cas comme ça. N'attendez pas à ce que les gens vous acclament. Ça, c'est pas l'évangile. Attendez-vous à ce que les gens soient dans la coalition pour vous attaquer, parce que Babylone monte, parce que les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux prédicateurs qui vous disent, qui disent la vérité, qui prêchent la vérité, vont de plus en plus monter dans le monde. Et pour livrer la guerre aux vrais enfants de Dieu, ils n'enseignent pas la parole. Mais ils sont là pour livrer la guerre charnellement, pour attaquer les gens charnellement, alors qu'on est appelé à dénoncer le mal tout en prêchant et en enseignant la parole de Dieu véritablement. Voilà. Et ceux et celles qui basent leur ministère sur la dénonciation sans enseigner, sans produire des fruits qui attestent que Dieu est avec eux, ça, ce ne sont pas des hommes et des femmes que Dieu a mandatés, ce sont des gens qui sont mandatés eux-mêmes, qui ne produisent aucune œuvre. Ils font un travail que tout le monde peut faire. Or, un vrai chrétien fait un travail que Dieu seul peut faire. N'est-ce pas? Et voilà. Donc, que Dieu soit béni, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde, mes amis. Je vous donne rendez-vous demain soir, heure de Paris, hein, 20h, heure de Paris, pour une nouvelle émission. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne que nous allons rapidement prendre ce soir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Ce serait pour vous exhorter en racontant mensonges. Comment? Ce serait pour vous exhorter en racontant mensonges que j'ai eu dernièrement. Oui. En fait, je voyais, je sais pas où j'étais, et je voyais une fille qui pleurait, et j'ai vu un homme qui disait que le Messie il allait revenir et qu'il était minuit. D'accord, ok, ben c'est ça. Mmh. Il est presque minuit, effectivement, parce que la parole nous fait, nous montre, Dieu nous enseigne par sa parole, au travers de sa parole, que... Ben, l'époque dans laquelle nous sommes est une époque très critique, hein. Il y a beaucoup de problèmes, l'augmentation du mal, du péché, des attentats, des guerres, des troubles, la famine, et aussi cette confusion dans les églises. Donc on comprend bien qu'il est presque minuit, hein. Il est minuit presque, hein. Donc le Seigneur est en train de revenir. C'est pour cela qu'il faut vraiment veiller pour ne pas être entraîné par cette confusion dans laquelle beaucoup de chrétiens se retrouvent aujourd'hui. Et voilà, donc il faut vraiment être des chrétiens stables, hein, des chrétiens qui cherchent le Seigneur. Donc que Dieu soit béni. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, mes amis. Donc, nous vous donnons rendez-vous demain soir. Sinon, ce lundi, si tout va bien, ce lundi, à partir de 11h, il y aura une réunion avec la jeunesse. Donc, à partir de 11h à Ivry. Une réunion avec la jeunesse. Que Dieu soit béni. Demain, 20h30, heure locale. Merci à l'équipe technique. Merci pour vos prières. Nous vous rappelons que nous sommes en train de commander 10 000 exemplaires de la BJC avec le format économique
Vous êtes nombreux à être intéressés par ce format pour évangéliser et aussi à soutenir, hein, aussi bien spirituellement que financièrement, matériellement, pour la bonne, mes amis, marche de l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Que Dieu soit béni en tout cas. Merci en tout cas à nos frères et sœurs qui sont de partout, de par le monde, qui prient pour nous. Et aussi à ma maman adoptive, maman Marthe, que je tiens particulièrement à saluer ce soir et à encourager dans tous tes combats. Sache que Dieu t'aime beaucoup. Voilà, mes amis, à bientôt. Au revoir.